Et c'est quoi? J'ai arrêté la magie. Ouais, je sais, c'est chouette. Ah ben sympa. Non, c'est chouette. Mais tu sais, les gens n'aimaient pas beaucoup ce que tu faisais en vrai. Hein. Tu sais, cette espèce de mélange de magie et d'humour, c'est bien que t'aies arrêté la magie et l'humour parce que. J'ai pas. Non, je t'arrête. J'ai pas arrêté l'humour. Ah si, hein. Regarde ton dernier spectacle, il n'y en avait pas dedans. Hein. Je te remercie. T'es rigolo. C'est pour rire, en fait, Julien. Vous savez, c'est le spécialiste de l'humour noir. Il fait des blagues noires, tu vois. C'est rigolo. Je ne t'aime pas beaucoup. Bien. Mais tu sais à quoi? Je me suis mis à un truc de fou. Mon nouveau métier, la voyance, spiritisme, boule de cristal. Je tire les cartes, les tarots. Tu veux que je te lise ton avenir? Non. Viens avec moi. C'est non, excellent. Je veux pas. J'ai pas envie. Mais pourquoi t'as pas envie? Mais j'ai pas envie de connaître mon avenir. J'ai déjà pas envie de connaître mon présent. Mais, je veux pas. Mais vas-y, ça va être trop bien. Par exemple, je sais pas, je vais te dire comment ton prochain spectacle va marcher. Ça commence quand ton prochain spectacle? Là, ça va démarrer. Là. Publicité. Bien, non, ok. Assieds-toi. Non, non, ça, ça va... peut que marcher, Jérémy. Non, les gens, ils t'adorent. Quand je suis rentré comme ça, les gens, ils t'adorent. Enfin, les gens qui te connaissent pas, ils t'adorent. Bien, alors. Tiens, assieds-toi, je te fais le tirage. Non, mais il peut pas y avoir de mauvaises choses. Non, il y a quasiment que des bonnes cartes, mon Jérémy. Regarde, tiens, on va montrer à la caméra. Oh. Par exemple, regarde, là, par exemple, c'est le monde. Ouais. Le monde, ça symbolise un petit peu le succès. Le succès intérieur. Ah, pour le nouveau spectacle, c'est chouette. Ça serait vraiment bien c'est que chouette. Tu l'aies. Par exemple, tu as le chariot. Tu vois, le chariot, c'est le voyage. Par exemple, ça veut dire que tu vas faire une tournée extraordinaire. Tu vois, par exemple, t'as quoi? T'as l'empereur. L'empereur, alors ça, c'est plus le succès financier. Ça, c'est bien. Donc, super. Donc, on va faire un tirage. Ok, excellent. Donc, je mets les cartes comme ça. Il va y avoir de merde, hein. Non. Mais me casse pas, mon... Non, non, il y a quasiment pas de mauvaises cartes au tarot. Il y a quasiment, tu vois, c'est que les bonnes cartes. Donc, ce que j'aimerais... Oh, c'est personnel, mec, ok? Oh. Donc Jérémy, j'aimerais que tu te concentres sur le sujet que tu voudrais, dont tu voudrais connaître des informations. Donc le spectacle. Le spectacle. Donc tu te concentres avec la main gauche, la main du cœur, tu sors trois cartes du jeu. Trois cartes. Oui. Pourquoi pas? Ok, je suis pas celle que j'aurais prise, mais bon, fais ce que tu veux. Je voulais pas le faire hein, au départ. Hein. Oui, d'accord, mais c'est bien. Alors, on va lire, on va regarder tes cartes. Alors, la première carte, la numéro 13, la mort. Alors, la deuxième carte, la numéro 12, le pendu. La troisième carte, la 9, l'ermite. Bon, moi, je m'y connais pas, mais... C'est pas ouf, là, quand même, hein? Non, mais je dirais pas ça, parce que en fait, si tu veux, la carte, elle veut pas vraiment dire ce qu'il y a dessus. Oui. En fait, la carte, c'est plus une métaphore. Par exemple, la mort, c'est pas vraiment la mort. Ah, c'est plutôt c'est une fin de cycle, une fin d'une période, une fin un peu de cycle de vie, tu vois. Oui, c'est la mort, quoi. Oui, c'est la mort. Mais les cartes ne veulent rien dire par elles-mêmes. Les cartes, mon Jérémy, elles sont associées. C'est comme ça qu'elles prennent sens. Par exemple, d'accord. Là, la mort plus le pendu, ça veut dire que tu vas mourir, mais asphyxié. Mais attends, parce qu'avec l'ermite, ça veut dire que tu vas mourir asphyxié, mais seul. Et ça, c'est chouette. Oui, c'est chouette. Ah. C'est chouette parce que ça veut dire que tu vas mourir tout seul, que personne ne va trouver ton cadavre et donc que tu ne vas peiner personne. C'est bien, c'est chouette. T'as une autre question? Sur un autre sujet, par exemple, je sais pas, il y a peut-être quelque chose d'autre qui t'intéresse, mis à part le spectacle, un autre sujet que tu aimerais peut-être je mélange comme ça. On peut faire un truc genre. Je te fous de ma gueule. Non, bien sûr que non. Sentimental. Jérémy Ferrari sentimental. Le spécialiste de l'humour noir. Oh, je cueille des fleurs, ma chérie. Comment t'as perdu toute crédibilité? Freddie Mercury. Bien, alors.
Alors tu te concentres sur le sentiment, tu penses à ton futur amour. Et elle n'existe pas encore, donc... Mais elle existe, elle est peut-être quelque part, elle est peut-être dans cette salle, peut-être c'est elle. Non. Bah j'espère pas, parce que... Tu te concentres, tu sors trois cartes, mais tu te concentres bien sur l'amour, le sentiment. Ouais... Ok. J'aurais pas pris celle-là. Mais ok, pourquoi pas. Alors on va regarder. La mort. Le pendu. L'ermite. Quand c'est une autre question, peut-être ça change le sens des cartes ou... Prends-en une de plus. C'est là, très bien. Le diable. C'est pas joyeux hein, comme tirage. Hein. Alors après, moi j'ai cru lire quand même que le diable, parce que parfois des cartes qui paraissent très négatives sont en fait hyper positives, tu vois, dans certains contextes. J'ai un doute sur le sens. Tu permets, je vais vérifier mon grimoire. Alors le diable. Ça se confirme. Tu sais quoi? Ce qu'on va faire, c'est que ces quatre-là, tu sais ce qu'on va faire? Je vais les mettre de côté. On va refaire un autre tirage. Ouais, mais là, c'est carrément de la triche. Enfin, je... Oui, mais t'as besoin d'aide. Ok. Bon, de toute façon, maintenant, on s'en fout de la question. C'est juste d'avoir un peu de mieux, quoi. Tu tires des cartes. Non, prends pas celle-là. Je la repose. Prends une autre. Celle... Oui. Ouais. Alors, j'y connais rien, mais celle-là, je la sens bien. Bien. Je vais commencer par celle-là. Ouais, c'est bien. L'ermite. Le pendu. J'ai une idée, on va changer complètement notre fusil d'épaule. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va t'exorciser. On va faire une séance, vraiment, si vous voulez, tous ensemble, les amis. On va se donner la main pour Jérémy Ferrari, pour qu'il redevienne un être humain. Que tu rentres dans le troupeau avec nous, d'accord? Que tu redeviennes un membre de l'humanité. Donc, pour ce faire, il faut des ingrédients qu'on va mettre dans cette petite urne, la petite boîte qui est là-bas. Il me faudrait un cheveu de vierge. Ok, j'y vais. Non, elle est fatiguée. Hein? Elle est un peu fatiguée, elle, quand même. Un peu. À quelques kilomètres au compteur, si tu vois ce que je veux dire. Quoi, pas vierge? Elle le crie, elle est contente. Elle me dit, non, pas vierge, Jérémy. Elle me dit, oui, j'ai compris. Alors, non, un oui, mais vous êtes bien vierge quelque part, madame. Non, elle n'est pas bien, d'accord. Bon, d'accord. D'accord, très bien. On a toujours un nouveau terrain à découvrir, une terre à explorer. Ouais, bah apparemment, d'un c'est fait. Vue, hein. D'un point de vue métaphorique. Quoi? Ben oui, je vais te tirer les cheveux. Hey, avec ce que tu viens de nous dire avant, c'est pas la première fois. Hein. T'es prête? Excellent, merci. Ah oui, alors maintenant, il me faudrait, s'il te plaît, Jérémy, il me faudrait... T'as connu pire? Vierge de nulle part. Jérémy Ferrari, revenez parmi les êtres humains. Jérémy Ferrari, voilà. Revenez. Il me faudrait maintenant du sel. Me dis pas ouais. Que t'as du sel. Ouais. T'as du sel. Ouais. C'est quoi?
montre, hein? Tiens, alors regarde, tu mets le cheveu, la larme, tu la mets dans la boîte. Ouais, t'en as besoin de beaucoup? Tu mets du sel, voilà. On va faire un exorcisme, vous allez voir, c'est voilà. Non, vas-y, mets du sel. Ouais, mais c'est cher, ça. Ouais, c'est bon, ça va marcher. C'est du sel. Oui, mais si ça marche pas, j'ai besoin d'un peu de... Tu vois? Bien, tu me tiens l'urne, s'il te plaît? Oui. Voilà. Tiens, écarte-toi un tout petit peu. Je vais montrer ce guéridon à chacun qui va accueillir les esprits. On pose l'urne de l'exorcisme. Parfait. Délicatement sur la table. Excellent. Et là, regarde, tu viens avec moi. Et puis tu vas saisir les deux coins de la nappe, comme ça. Comme ça? Ouais, comme ça, là? Tu saisis, exactement. Et là, tu te concentres. Tu te concentres, Jérémy. Tu te concentres sur quoi, tu... Tu te concentres sur des choses positives. Ah, voilà, ça marche. Ça marche. Jérémy, regarde, soulève la nappe. Ah, attention, ça part. Mais ne jette pas ça comme ça. Arrête de jeter ça. Tiens. L'exorcisme a fonctionné, mesdames et messieurs. Jérémy Ferrari!